pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment nettoyer un pot ou votre casserole enduit de graisse brûlée? Il y a des taches qui ne sont pas retirées du pot de quelque façon que ce soit. Peu importe à quel point c'est dur, la saleté causée par la graisse brûlée se termine pratiquement avec la possibilité de l'utiliser dans la préparation des repas suivants. Mais s'il était possible de nettoyer une casserole tachée de graisse brûlée une fois pour toutes? En fait, c'est une solution très simple et cela peut être fait à la maison maintenant. Vous n'aurez pas besoin de savon ou de tout autre produit de nettoyage en ce moment pour laisser votre poêle en parfait état. Voulez-vous apprendre cette technique maintenant? Alors, juste accompagnez notre vidéo. Comment nettoyer un pot enduit de graisse brûlée? Il est important de souligner que vous n'aurez pas besoin d'acquérir un élément révolutionnaire ou de faire quoi que ce soit d'inhabituel. Vérifiez les ingrédients. Matériaux. 2 cuillères à soupe de sel. 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. 10 cuillères à soupe de vinaigre. 1 récureur en acier. Nettoyez un pot enduit de graisse brûlée. Façon de faire. Au départ, vous devriez mettre tous les ingrédients de cette solution maison pour nettoyer le pot enduit de graisse brûlée dans un seul récipient. Ensuite, vous utiliserez le tampon à récurer en acier pour commencer à enlever ces traces de graisse brûlée de votre ustensile ménager. Ce n'est pas une formule magique. Vous devrez frotter le pot entier pour enlever la couche de saleté et observer la capacité d'élimination de cette solution. Il ne sera pas nécessaire d'appliquer de la force lorsque vous frottez le pot, en plaçant du savon, du détergent ou tout autre produit chimique. Cependant, vous devez être calme pour faire le travail correctement et sans excès. Soyez patient et mettez ce conseil en pratique. Important. Il est important de noter que le pot ne brillera pas après la procédure. Normalement, le pot conserve un ton légèrement mat. Mais, rien ne vous empêche d'adopter une autre procédure pour le rendre impeccable. La suggestion est d'utiliser de la laine d'acier avec du savon en barre. Votre pot va avoir l'air neuf. Avez-vous aimé découvrir ce conseil fait maison pour nettoyer un pot enduit de graisse brûlée? Ensuite, vous pouvez profiter de partager ce contenu avec vos amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.